أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله تامت من شر ما خلق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله Seigneur, la louange t'appartient. Tu es un Dieu de gloire et de miséricorde. Tu es un Dieu de grandeur et de magnificence, toi qui tires le vivant du mort et le mort du vivant. Ya Allah, éclaire nos pas. Ya Allah, accorde-nous le bonheur connu et inconnu de nous, au mérite de la contemplation de ta beauté divine et de ta dimension seigneuriale. Ya Allah, accorde l'abondance de sa grâce et de ta miséricorde aux luminaires du monde, l'intercesseur triomphal, aux gradations inégalées et inégalables, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bon réveil matinal, manipulation technique, Sanogo Ousmane, Babou Sissé, à ce microphone, vos serviteurs, Diabaté Fousséni. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h50. Si tel est le bon vouloir d'Allah, le maître et créateur de l'univers. Progressivement, la clarté de l'aurore est en train de préparer le trône et la seigneurie d'un nouveau soleil de gloire, un nouveau soleil d'espérance. Un soleil de vie. Dans quelques instants, nous nous mettrons à courir les courses folles et vertigineuses vers les douceurs de ce monde éphémère, feuilles mortes et poussières d'un monde évanescent. Et chaque jour, l'alcool, la cigarette, le sexe pour le sexe, l'usure, la désobéissance, l'arrogance continuent de ravager et de décimer les cœurs tel un incendie dans une savane herbeuse et sèche. Je m'efforce parfois de méditer sans comprendre et légitimer tant de désinvolture de la part des hommes. Et chaque fois, ma soif n'a jamais été étanchée. Comment les gens peuvent-ils être aussi désinvoltes en pensant nuire aux autres? Telle fille qui désobéit à sa mère, chaque jour que de paroles blessantes, humiliantes envers elle, celle qui l'a portée pendant 9 mois de souffrance et de douleur. Tel fils récalcitrant qui pense nuire à ses parents en leur tenant tête, des enfants qui dictent leurs lois à leurs parents parce que devenus grands, parce que devenus indépendants, ces jeunes qui vivent et qui vivotent, le je m'en foutisme étant devenu leur pain au quotidien, les relations sexuelles au mariage entretenues contre le gré de leurs parents, tous ces week-ends étouffés dans les bois de nuit et les maquis, quel gâchis, quelle perte et quelle piété. Ces détenteurs de pouvoir qui se comportent comme des immortels parce qu'ils seraient détenteurs d'un soi-disant pouvoir, ces jeunes, ces responsables, ces pères de famille qui négligent ou dilapident la prière et qui pensent nuire aux autres. Vous voyez des hommes sombrés, mais jamais il ne faut les interpeller. Ils vous diront, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, je suis adulte, je suis majeur, je suis responsable, je ne rends de compte à personne, je suis indépendant, je ne vis pas aux dépens de quelqu'un, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Voyez cette forme d'orgueil, de suffisance et de maladie morale. Il dit qu'il n'a besoin de personne, qu'il est indépendant et pourtant, quand il tombe malade, il devient lamentable et malheureux. En cas de solitude, quand il a un accident, un malheur quelconque, un problème quelconque, il frappe à toutes les portes. Il fait la courbette auprès des gens pour avoir des solutions. Quelle pitié!
Parfois, je veux comprendre comment les gens arrivent-ils à se comporter avec une telle désinvolture et ils pensent nuire aux autres. Ils pensent être suffisants. Je veux bien comprendre. Vous vivez dans de grandes maisons luxueuses. Vous avez toutes les commodités chez vous à la maison. Mais un jour, vous irez dans de la boue. Les gens vont vous prendre et iront vous abandonner dans la boue. Votre petit orgueil ne pourra empêcher personne ce jour-là de mettre du sable sur vous. Inconscience incolore et inodore, vous avez cru que vous étiez le centre du monde. Vous avez fait ce que vous vouliez. Mais ce jour-là, les gens vont verser du sable sur vous. Est-ce que vous pensez à cette image? Vous, l'homme imbu de lui-même, dans sa 4x4, sa voiture climatisée, pour qui on ouvre les portières avant qu'il ne descende. Lorsqu'il descend, il y a quelqu'un pour venir prendre le sac pour aller sur le bureau. Il y a des gens pour ouvrir la porte du bureau, des gens pour faire le ménage. Vous avez des boys à la maison, des bornes, des servantes, des femmes pour vous servir. Votre maison est climatisée. Vous avez toutes les commodités. Vous êtes si orgueilleux, présomptueux. Vous faites tout ce que vous voulez parce que vous pensez que le monde vous appartient. Vous êtes un démocrate, vous êtes un libéral, vous êtes un modéré, vous faites ce que vous voulez. Oh, vous vous en moquez, les gens, vous en faites ce que vous voulez. Mais un jour, ce sont des mains étrangères qui viendront s'occuper de votre corps nu. Vous ne serez même pas capable de leur dire, ne touchez pas à ma nudité. Et les gens qui vont toucher votre corps, vous savez, ce sont des gens avec qui, au cours de votre existence, vous n'aurez jamais accepté de manger avec eux. Allahu Akbar. Regardez l'ingratitude de la vie. Les gens que vous avez considérés comme étant des moins que rien, des loques humaines, ce sont eux qui vont venir fouiller l'intimité de votre corps. Voyez comment vous êtes lamentable, mon frère, ma soeur. Que Allah nous accorde la sagesse de comprendre. Il suffit de fermer les yeux, de voir cette petite part d'obscurité, de réaliser ce jour de solitude, et puis on se dit en fin de compte, mais pourquoi être orgueilleux? Pourquoi? Allahu Akbar Kabir. Mon frère, ma soeur, tu ne fais du mal à personne parce que le véritable perdant, c'est toi. Wallahi, qu'Allah nous éclaire, qu'Allah nous guide. J'ai toujours des larmes aux yeux quand je vois quelqu'un dire, j'en fais ce que je veux, c'est mon corps. Je m'habille comme je veux. Je sors avec qui je veux. J'ai des relations comme je veux. Eh, mon frère, ma soeur, tu es inconscient. Tu es inconscient. Eh, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu veux. On ne peut avoir pitié que de toi. Parce que tu ne sais pas que tu vas le regretter un jour. Allahu Akbar. Tu appartiens à quelqu'un. À un être suprême. À un créateur. Parce que quand je dis quelqu'un, je fais de l'anthropomorphisme. Allah n'est pas quelqu'un. Tu lui rendras compte. Mais ton âme est un dépôt. Est-ce que tu penses que... Allahu Akbar. Qu'Allah ne te demandera pas compte. Parce que tu penses que c'est facile. Allah t'a donné une âme, tu souilles cette âme et tu dis, je fais ce que je veux, tu périras. Mais Dieu miséricordieux, nous ne sommes pas là pour venir avec l'épée. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Parce que si jamais Allah recueille ton âme, alors que tu es encore dans ces moments d'égarement, je ne t'en veux pas. Qu'Allah nous éclaire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Salam alaikum. As-salatu wassalamu alayk. Alayka ya
الحبيب عليك يا سيدي عليك يا عليك يا سيد الأولين والآخرين.